Un homme qui crie est un homme qui a déjà perdu. La preuve dans cette séquence. Séquence où Marco Mouli, hein, cet ancien escroc, se fait humilier. Hein. Oui, il se fait humilier par Stanislas Rigaud, le petit Rigaud. Oula, oui, il se fait regarder. Toi, toute la journée, t'insultes, la racaille, la chie, la chatte, tu fais quoi? Vous appelez ça comment, vous? Mais je t'appelle ça toi, comment? Non, vous, bah moi, j'appelle ça des racailles. Vous appelez ça comment, vous, des gens qui insultent des gens qui agressent des femmes? Tu peux pas être un être humain normal? Tu crois pas qu'il y a un seul Dieu sur Terre? Comment, monsieur Mouli? Mais j'appelle ça que vous faites le buzz pour rien. Non, non, il y a une vidéo qui est pas insultée. Vous êtes là pour quoi, ce soir, vous? Moi, le buzz. Monsieur Mouli, vous êtes pas répondu seul de mes questions, parce que en réalité, vous êtes là pour faire le show, et vous le faites très bien, je vous trouve très drôle, vous avez regardé sur des vidéos. J'apprécie les musiques qui sont faites pour vous, mais la politique, c'est pas fait pour vous. C'est ça, d'autres gens, va falloir hausser le niveau. Hein. Tu parles sérieux? Ah, vraiment? À mon avis, sincèrement, toutes les personnes qui détestent Éric Zemmour, qui vous voient sur la télé. Mais moi, je ne déteste pas, je ne le connais pas! Mais non, mais pas vous, toutes les personnes. Moi, j'aime pas quand il parle! Tous les gens qui regardent la télé et qui vous voient ce soir se disent qu'en fait, finalement, Éric Zemmour, il est vachement bien. Vous nous servez, merci de faire ce que vous faites, parce que ce que vous faites là, c'est une caricature de vos propos. Et moi, je trouve ça très bien, c'est la preuve qu'il y a des gens en France qui sont totalement hors sol, ils sont totalement à l'ouest sur tout un tas de sujets, et vous en faites l'illustration parfaite ce soir. Moi, je suis hors sol. Bah là, oui, visiblement. Et oui, t'es hors sol, mon gars. Et oui, en plus, arrête de crier, on dirait un débile. Et il est insupportable, ce Mouli. Putain. C'est vrai qu'à hurler comme il le fait, il a l'air vachement intelligent. Hein. Ah ouais, faut pas trop lui en demander, hein, je crois. Hein. Ça vole pas haut. Hein. Donc le mec, il gueule pour impressionner le gamin. Hein. Comme un voyou qui a picolé, quoi, hein, on dirait. Mais bon, l'autre, enfin Stanislas, on n'a rien à foutre. C'est trop bon. Trop bon. Et oui, le jeune Stanislas s'exprime tellement bien, avec confiance. Oui, il y a un contraste avec l'autre qui a l'air bourré. Quoi. On ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas ce que c'est.